I got broads in Atlanta. She took the me in the family. Credit cards and scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Alors bonjour à tous, j'espère que tu vas super bien. C'est ton cher Fabio Rosin. Sincèrement, si tu penses que tu es devenu russe, c'est que tu t'es trompé. Non, je ne suis pas devenu russe, je suis toujours togolais. Jusqu'à preuve du contraire, je suis et je demeure togolais. Alors bonjour à toi, c'est Fabio Rosin, j'espère que tu vas super bien. Sincèrement, je suis passé par certaines aventures aux États-Unis qui ont quasiment forgé mon caractère et qui m'ont permis de comprendre que je ne suis plus un enfant. Qui m'ont permis de me rendre compte que voilà, quand je ne suis plus le petit gamin qui est en Afrique, aujourd'hui je suis devenu un homme. Et à 23 ans, j'ai des responsabilités. Je dois prendre soin de moi, prendre soin de ma famille. Et sincèrement, ça m'a beaucoup aidé. C'est une chose dont je suis tellement fier parce que si j'étais encore au Togo, je suis quasiment sûr à 100% que je serais encore là, en train de tendre la main à papa, dans le but de me donner 10 000, 15 000 francs pour mes besoins, tu vois. Aujourd'hui, sincèrement, ça me permet, moi, je suis au moins en mesure de donner au moins un franc à papa. Et c'est quelque part, j'ai compris que j'ai grandi, j'ai compris que je suis un homme maintenant, et je dois faire les choses par moi-même. Et c'est une chose dont je suis extrêmement fier, tu vois. Et quand tu viens d'arriver dans un pays étranger comme moi, dans lequel les gens parlent majoritairement anglais, et encore pire encore aux États-Unis où c'est des blancs et nous sommes des noirs, c'est très compliqué de se faire des amis. Super compliqué de se faire des amis, des gens avec qui causer. Alors que passer tout son temps en chambre, c'est l'une des choses les plus ennuyantes. Quand vous venez d'arriver aux États-Unis, c'est très ennuyant. Demandez aux gens qui viennent d'arriver aux États-Unis, fraîchement, peut-être un ou deux mois, ils vous le diront. C'est très ennuyant. Donc, il est très important de se faire des amis, de faire de nouvelles connaissances. Et heureusement que nous avons la chance d'avoir Internet. Grâce à Internet, grâce à Internet ou à nos téléphones, à nos smartphones ou bien à nos iPhones, il est possible de faire des rencontres. Mais le problème, c'est quoi? C'est si des rencontres ne sont pas fiables à 100%. En tout cas, moi, de mon expérience personnelle que j'ai avec ce genre de trucs, je ne fais pas confiance à ces sites parce que la plupart des filles, des hommes que tu vas trouver sur ces sites sont des scammers. C'est des gens qui sont là pour faire un business, tu vois. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Mais vu qu'on n'a pas d'autre choix que de pouvoir se fier à ce genre de choses, on le fait avec chance. Peut-être qu'on pourra trouver quelqu'un, tu vois. Et moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne trois applications mobiles que moi, j'ai dû utiliser, que tu peux toi aussi utiliser pour te faire des amis, potentiellement rencontrer de l'amour. Potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que rien n'est garanti. Comme je dis, c'est des gens qui ne sont pas vraiment virtuels, ou bien il y a des gens qui sont inscrits, qui après deux ou trois mois ont quitté les sites, mais encore leurs photos, donc c'est vraiment compliqué. Donc la première application que je peux te recommander en tant que jeune garçon, ou bien en tant que jeune fille qui vient d'arriver aux États-Unis, c'est Tinder. Tinder, c'est un site internet, ou bien c'est une application mobile pour iPhone ou pour Android, sur lequel tu peux te faire pas mal d'amis. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de rentrer ta localisation, ton adresse mail et ton numéro de téléphone, tu vois. Et à partir de ce moment, tu entres aussi le pays dans lequel tu es. Tu trouves évidemment toutes les personnes qui sont dans ton secteur, tu vois, dans ton area, comme on dit en anglais. Donc, tu trouves toutes les personnes qui sont dans ta zone. Donc maintenant, quand tu trouves quelqu'un qui te plaît, évidemment, tout ce que tu as à faire, c'est de swap gauche si tu n'aimes pas la personne et droite si tu aimes la personne. Donc, quand tu tombes sur un profil qui te plaît et que tu veux maintenant faire connaissance avec la personne, tout ce que tu as à faire, c'est de swap ou bien de glisser à gauche si tu n'aimes pas la personne et de glisser l'image à droite si tu aimes la personne. Donc, dès que tu glisses à droite, ça veut dire que tu aimes la personne, c'est la personne à cocher. Maintenant, ça marche comment? Quand tu fais ça maintenant, il faut maintenant attendre que la personne aussi puisse aussi tomber sur ton image et que la personne aussi puisse swap à droite. Donc, plus aussi glisser ton image à droite, comme ça il y a ce qu'on appelle match. Donc vous deux vous correspondez l'un à l'autre et vous pouvez maintenant commencer à vous écrire. Maintenant, c'est quoi le problème? Il peut arriver que toi tu vois une fille qui te plaît, que tu glisses son image à droite, ça dit que tu aimes bien sa photo, mais que la personne n'aura même pas le temps de pouvoir venir visiter ton profil. Du coup, tu vas aimer plusieurs photos, mais tu n'auras jamais de match. Maintenant, c'est quoi le problème avec ces applications? Ces applications, à un moment donné, te diront ok. Si tu veux avoir plus de chances de rencontrer des filles, ou bien si tu veux avoir plus de chances de faire des connaissances, il faudrait maintenant upgrade. Upgrade, ça veut dire maintenant acheter l'application. Ça veut dire que comment tu as fait un abonnement mensuel pour maintenant te donner plus de chances de pouvoir entrer en contact avec d'autres filles dans ton milieu, tu vois. Mais le problème, c'est que moi, j'ai essayé ça. Je vais être sincère avec vous. Oui, j'ai essayé ça avec un autre site. Pas Tinder, mais avec un autre site.
et ça n'a pas payé. Ça n'a pas du tout payé. J'ai fait ça pendant, je pense, pendant un mois, mais je ne me suis pas fait d'amis. Et c'était vraiment bizarre parce que on me parlait quelque chose de 40 dollars par mois, alors que je n'ai même pas rencontré quelqu'un, tu vois. Et c'est l'une des choses les plus fucked up qui puisse arriver. Donc, faites extrêmement attention. Parce qu'il y a aussi un problème. Le fléau qui se passe avec ces genre de sites, c'est quoi? On te demande de rentrer tes informations. Et tu peux éventuellement te faire arnaquer, tu vois. Parce que quand tu rentres ton crédit card ou bien ton bank account, par exemple, c'est des gens qui maintenant qui pourront avoir accès à tes informations personnelles. Et de là, ils pourront maintenant vérifier ou bien aller chercher ton compte. Viser ton compte à ta place, donc il faut vraiment faire attention. Je recommande ce site parce que je me dis que c'est assez fiable. Et par exemple, ici aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Majoritairement des jeunes qui n'ont pas d'amour, ben des jeunes célibataires qui l'utilisent. Tu peux toutefois essayer, on ne sait jamais. Le deuxième site ou bien le deuxième application que je peux te recommander comme nouveau venu aux États-Unis, que tu cherches l'amour, c'était l'application que j'utilise jusqu'à présent. Ça s'appelle POF, P-O-F, tu vois. Avant de commencer, je te raconte cette histoire. J'étais arrivé aux États-Unis, je pense déjà 8 ou 9 mois. À l'époque, j'avais pas encore de copine, tu vois. Donc j'étais là, je chattais, et puis je rencontrais plusieurs filles, on s'écrivait, mais il n'y avait jamais rien de concret, tu vois. Jusqu'à ce qu'un jour, je puisse tomber sur un profil d'une fille qui disait qu'elle avait 18 ans, et qui m'a écrit, dit, ouais, elle aime bien mon style, parce que j'avais mis mes photos sur la page et tout, elle a vu mes photos, elle dit, ouais, elle aime bien mes photos, je suis vraiment un beau gosse. Elle me demande où est-ce que j'habite. Je lui dis, ouais, ça y est, moi, je suis à Iowa City et tout. Elle dit, ok. Elle demande, toi, est-ce que tu habites? Elle me dit, non, moi, je suis juste à 2 heures de chez toi. J'étais, oh d'accord, c'est bien. Tu es, moi, tu es vraiment joli, tu sais, tu es vraiment sexy. Parce que quand tu es en ligne, il faut essayer d'être un gentleman, il faut essayer de faire des compliments à la fille pour qu'elle sente que voilà quoi, tu as de l'intérêt, tu vois. Comme moi, je suis pas con, j'ai joué au jeu, tu vois. Donc, j'ai fait ça, on a commencé à discuter. Et elle m'a demandé de lui envoyer plus de photos de moi. Il dit, ok, bien sûr, il n'y a pas de souci, frère. J'étais avec plaisir. C'était une petite blanche. Je lui ai envoyé mes photos, elle a aimé, j'ai demandé aussi ses photos en retour, elle m'a envoyé ses photos. Et on discutait. Et là, j'étais à l'école à l'époque, et après, je suis allé au travail, on continuait à s'écrire. Et curieusement, elle m'a envoyé des photos, disons, chaudes. Des photos vraiment chaudes d'elle. Sincèrement, c'est des photos vraiment chaudes. Et c'est lui qui a commencé, au fait. Là, elle m'a envoyé des photos chaudes d'elle. Et curieusement, j'ai demandé, au fait, tu as quel âge? Elle me dit, non, j'ai 17 ans et demi, mais j'aurai 18 ans dans 2 semaines. Je lui dis, attention, ici aux États-Unis, on ne blague pas avec l'âge. Quand tu n'as pas 18 ans et que toi, un homme de plus de 18 ans te voit traîner avec une fille qui a moins de 18 ans, tu iras directement en prison. C'est des gens qui ne blaguent pas avec ces choses. Donc, j'ai dit, ok, tu sais quoi? Tu n'as pas encore 18 ans. Moi, sincèrement, à ta place, je ne ferais pas ça parce que c'est pas illégal au fait. Elle dit, non, t'en fais pas. Mes parents ne sauront rien de cela. Et puis, c'est dans 2 semaines. J'ai dit, ok. On a commencé à discuter, elle m'envoie des photos, on discutait tout et tout. Elle me dit maintenant que ouais, voilà, elle a vraiment envie de pécho, en fait, elle a envie de passer à l'acte. J'ai dit, ah bon, actuellement, moi, je suis au travail. Je suis au travail actuellement. Donc, je sais pas quand je vais rentrer. Je vais rentrer forcément à 23 heures. Du coup, c'est vraiment compliqué, tu vois. Elle dit, non, qu'il n'y a pas de souci. Donc, fais-moi 5 quand tu rentres à la maison. J'ai dit, ok. C'était comme ça, je suis rentré à la maison. Dès que je suis rentré à la maison, elle m'a crié. Elle dit, ouais, comment tu vas? J'ai dit, ouais, ça va bien. J'ai dit, ouais, ça va. On a commencé à discuter. Elle me dit, envoie-moi ton adresse, je vais venir chez toi. Je dis, c'est quoi cette histoire d'adresse là? Il est déjà 23h. Je te connais pas, tu me connais pas. Je suis un noir africain. Toi, tu es une blanche. Autrement dit, c'est déjà déséquilibré sur le plateau. Et maintenant, tu demandes mon adresse et tu n'as pas encore 18 ans. Et c'est là que je suis allé demander conseil à mon frère. J'ai dit, hé, grand frère, tu sais quoi? Je suis ici en train de discuter avec une fille, elle me demande mon adresse, elle me dit que je lui plais, elle a envie vraiment de coucher avec moi, elle veut venir me voir. Elle me demande, il a quel âge? Ah non, mon grand frère m'a demandé, elle a quel âge? Là, je lui ai dit, en fait, elle n'a pas encore 18 ans. Elle dit, hé, frère, fais attention. Quand une fille n'a pas encore 18 ans dans ce pays, c'est vraiment un piège. Donc, fais attention, assure-toi que ce n'est pas des gens qui t'espionnent, bien c'est des gens, des policiers, un truc comme ça. Parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des mineurs, pour espionner des gens qui couche avec des gens qui n'ont pas 18 ans, un truc comme ça, quoi. J'ai dit, ok. Et c'est là que j'ai eu cette idée avec un de mes cousins, Jimmy. J'ai dit, ok. Il m'a dit, tu sais quoi? Ne lui donne pas ton adresse. Donne-lui l'adresse d'un gas station, par exemple, d'une station essence. Et maintenant, quand elle viendra, tu iras à sa rencontre. Tu demandes maintenant à voir son ID. Quand tu vois que son ID est qu'elle n'a pas 18 ans,
Alors refuse d'aller avec elle. Et pendant que tu vas, allume ton microphone pour que tout ce que vous allez avoir comme conversation, ça puisse être enregistré. Comme ça, tu auras des preuves au cas où elle essaie maintenant de te mettre dans des problèmes, tu vois. Donc c'est ce qu'on a fait. Je l'ai envoyé une mauvaise adresse. Donc je l'ai envoyé l'adresse du gas station le plus proche de chez moi. C'était déjà à 5 minutes de chez moi, tu vois. Elle me dit, ok, je suis en route, je serai chez toi dans une heure de temps. Je demande si tu conduis. Elle dit, non, t'en fais pas, je vais prendre la voiture de mon père. À 23h30. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'attends. Je dis, j'ai pas dormi. Hein. J'étais là jusqu'à 1h du matin. Elle n'arrive toujours pas. Je dis, what the fuck? C'est quoi le problème? Jusque là, on va pas. Elle dit, tu n'arrives pas. Je dis, c'est là, je lui envoie un message. Je dis, ok, tout va bien. Elle dit, ouais, t'en fais pas, j'arrive là-bas dans quelques minutes. 3h30, il n'y avait personne. J'ai dit, ok, je n'ai pas de nouvelles de toi, je vais me coucher, on se parle après. Et le lendemain, je n'ai pas eu de ces nouvelles. J'allais travailler à 15h quand je monte, mon téléphone sonne. Mon téléphone, je décroche, elle me dit, ouais, c'est mon père. Je suis le père de la fille dont tu as parlé hier. Je dis, et puis, il y a le problème. Il dit, ouais, j'ai vu tes photos et puis les messages que vous avez échangés avec ma fille. Et that's not ok. Je dis, c'est quoi le problème? Je dis, je connais même pas ta fille. Que non, vous avez changé ensemble et puis vous avez même envoyé une adresse pour qu'elle vienne chez toi. J'ai dit, hé hey, monsieur, j'ai envoyé à votre fille une mauvaise adresse, ce n'était pas mon adresse. Parce que je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas 18 ans et je ne pouvais pas prendre le risque de sortir avec une fille qui n'avait pas 18 ans parce que je savais que c'était illégal. À l'époque, j'avais 22 ans à l'époque au fait. Et non, c'est seulement, il ne voit plus sa fille. Et quand sa fille, il a eu un appel, entre temps, sa fille était au bord de la route. Elle venait venir te voir. J'ai dit, hey frère, I don't know where is your girl. So, I don't know, don't bother me. Come on, let me go. Je devais aller travailler. J'ai coupé l'appel. J'ai raccroché au nez. Et il m'envoie un message. J'ai dit, hey petit, tu ne devrais jamais me raccrocher au nez. Hey frère. Pendant toute la journée, j'ai parlé à mes amis. J'ai dit que ils m'ont dit non, t'en fais pas, il n'y a pas de souci. Un peu de moi, tu n'as pas couché avec elle, tu n'auras pas de problème. Parce qu'ils m'ont envoyé des images, des trucs me disant ouais, sortir avec une fille qui n'a pas encore 18 ans, c'est assimilable à la pornographie, c'est pas bien, c'est contre la loi, ça mérite 10 ans de prison et tout, tu vois. Donc, c'est tout un tas de trucs qui vraiment m'a fait peur, tu vois, ça m'a vraiment fait peur. Et après, je me suis rendu compte que c'était scammer, c'était pas des gens qui étaient réels. Donc, c'est des sites qui ont pas mal de dangers. Donc, vous devez faire extrêmement attention quand vous utilisez ces sites de rencontres. Parce que, autant vous pouvez trouver de l'amour, mais autant si vous n'êtes pas vigilant, vous allez pouvoir trouver des problèmes. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, par rapport à POF, c'est une bonne application parce que moi, j'utilise depuis longtemps. Et tu peux rencontrer aussi des jeunes filles dans ta zone. Avec toutes leurs informations et des photos. Donc si tu vois la photo que la personne te plaît, tout ce que tu as à faire c'est juste d'envoyer un message à la personne. Vous allez commencer à discuter, s'il y a moyen vous allez vous rencontrer. Et puis voilà quoi, la vue continue. Donc je te mettrai aussi un peu dans la barre, un peu quelque part sur le côté, un peu comment ce à quoi ça ressemble d'utiliser ces genres d'applications. Et la troisième application que moi je te recommande quand tu viens aux États-Unis, que je veux te faire de l'amour, c'est eHarmony. Le problème c'est que moi j'ai jamais utilisé cette application. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas comment ça marche. Mais, paraît-il, d'après les Américains eux-mêmes, c'est le site numéro 1 pour pouvoir trouver de l'amour. J'espère que c'est vrai. J'espère que c'est pas vrai. Moi, je m'en bats les couilles, je n'ai pas envie d'aller voir. Parce que, sincèrement, aujourd'hui, maintenant, j'ai une copine, je me sens bien avec elle. Je n'ai plus besoin d'aller voir ailleurs ou bien faire quoi que ce soit ailleurs. Donc, voilà donc. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je n'ai pas envie de la faire trop longue parce qu'elle va vraiment durer d'une éternité. Dans une autre vidéo, je te parlerai d'autres choses que j'ai envie de savoir par rapport à la drague, comment pouvoir approcher des filles. Alors, si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi des pouces bleus, des commentaires, abonne-toi à ma chaîne, Fabio Lucentum, tu sais.